Je suis Chantal, fraîcheur Mantalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. Alors, je vous retrouve après une bonne 15 jours, 3 semaines. Voilà, j'ai terminé 2 ouvrages. J'ai entamé trois nouveaux ouvrages. Et puis, j'en ai continué un que vous avez déjà vu. Alors, l'objet terminé. Eh bien, l'objet terminé, vous l'apercevez. Je vais reculer ma caméra pour vous montrer. Voilà, c'est le no frills. Alors, le no frills, qui est un patron de petite knit tout à fait facile à faire en raglan sans problème. Moi, le petit souci, c'est que j'ai choisi une taille un peu trop grande pour moi. Vous voyez, j'ai tout ça d'aisance de chaque côté. Pour moi, c'est beaucoup trop. Mon bras arrive ici. Vous voyez, j'ai tout ça en trop. C'est dommage, mais bon, ça me fera un pull à mettre. Voilà. Il est très chaud, hein, doublé mohair, forcément. C'est très chaud. Mais je le trouve un peu trop grand. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Donc, cet ouvrage qui a nécessité 275 grammes de fingering de coloris Gabi de chez Christelle Tricote. Et j'avais pris un écheveau de mohair coloris Gabi que j'ai mis dans les rayures ici. Ici et en alternance sur le pull, voilà, ici, et puis une autre bande plus bas, donc coloris Gabi. Et puis là, j'avais pris un mohair un peu blanc cassé que j'avais dû commander au textile de la marque. Vous savez, ils font des offres, vous avez 10 pelotes pour un prix modique. Et c'était un mohair comme ça, mohair et soie, mais avec un peu de polyamide aussi, moins doux que le mohair de Christelle, hein, par exemple. Mais très doux et pas piquant, hein. Celui-ci n'est pas piquant. Et ça, c'est pareil, c'est de la fingering de Christelle, plus du mohair que j'avais acheté en cône chez les filatures italiennes sur eBay. Pas de problème, c'est très doux. Donc voilà, le no frills de petite knit, je le referai. Je le referai, mais dans une taille inférieure. Parce que là, je me suis un peu embarquée, je ne sais pas pourquoi, enfin, si, j'ai pris, ça devait être 105, mais ça fait trop. Moi, j'estime que c'est trop pour moi. Alors, je prendrai une taille en dessous. Voilà. Pour la prochaine fois. Parce que j'ai déjà envie d'en faire un autre dans un coloris plus pétant. Quelque chose de plus gai. Voilà. Ça, c'est agréable, mais c'est neutre. Et je voudrais maintenant avoir quelque chose de plus pétant pour l'hiver prochain, ne pas rester dans la morosité du temps. Voilà, donc ça c'est le No Frills. J'ai aussi terminé les Ceylan Socks. Que je vous avais montré qui était commencé la dernière fois. Voilà, mes Ceylan Socks de Estelle Lemoine. Alors, ce patron, il m'a été offert par Laure Marie, que je remercie encore ici. Et voilà, je me suis régalée à tricoter ce petit modèle. Voilà, bon, ben écoutez, j'ai utilisé la méthode dont je vous ai parlé la dernière fois et je vous montre
pour ne pas avoir trop de démarcation. Et je trouve que, ma foi, ce n'est pas mal. Voilà, ça c'est l'autre côté. Et donc ça c'est le côté où j'ai fait mon petit saut de maille, comme je vous ai expliqué. Alors écoutez, je suis vraiment satisfaite de ce petit modèle que je vous recommande. Il est très clair et très facile à faire, parce que le jacquard n'est pas très haut, voyez, et du coup, moi qui fais le suivre mes fils comme il faut, qui tisse mes fils, eh bien écoutez, j'ai pas de problème pour les enfiler. Je vous mettrai des photos portées, vous verrez que voilà, elles sont tout à fait adaptées. Donc elles vont aller dans ma boîte de bas. Voilà, alors en ouvrage terminé, c'est donc tout, le no frills et les Sealand Socks pour le mois de février, en ouvrage terminé, c'est tout. Alors, en cours, je vais récupérer mon sac à projet, voilà, me voilà armée. Alors, en cours, je vous avais dit que je faisais le Vertices Unite. Alors, que voici. Donc, je progresse. Voilà. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, la partie 1, c'est celle-ci. Ensuite, on fait la partie jaune, et enfin jaune, où j'ai mis, voilà, jaune et vert un peu. Ensuite, la grande partie en rosé, un peu saumonée, là. Et je suis en train de faire la petite section qui est ici, dans l'autre sens. Pas bien, Chantal, je suis en train de perdre mes mailles. Heureusement, ça se récupère facilement, enfin tellement facilement que j'en oublie une. Non, c'est bon. Voilà. Et j'ai pas terminé cette section qui va être encore, voilà, elle va être à peu près jusqu'ici. Et après, ben, on reprendra entre deux là, ici. Alors, je devais faire la grande version. Mais, vous voyez, quand on tricote le soir, eh bien, c'est pas bien quand on est fatigué. Parce que, du coup, je me suis arrêtée à 60 mailles de largeur ici. Et donc, ben, c'était 90, parce que 60, c'était la petite. Bon, ben, c'est pas grave, je ferai la petite version. Ça me fera un châle pas très long, vous voyez. Mais bon, le point mousse, ça se détend. Donc, je pense que ça me fera un petit châle, mais c'est pas grave. Ça me fera beaucoup de reste. Et puis, voilà tout. Ça me fera un petit châle. Au lieu de me faire un grand châle, je recommence à perdre mes mailles, décidément. Alors bon, ben le Vertices Unite, dans les châles de Stephen West, je pense que c'est le modèle le plus simple. Attaquer du Stephen West par ce châle là, c'est une bonne recette, parce que c'est très simple, à part les reprises de mailles, mais bon, ça se fait très bien.
Voilà. Donc, je vous rappelle que je fais ça avec les laines de Didier au fil d'Horus. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, il y en a encore une. Et 5. Voilà. Donc, c'est un ouvrage qui va bien et qui suit son cours. J'avais pensé à un moment donné le terminer là pour ce mois-ci, mais je pense que ça sera pour le mois prochain et puis c'est très bien. Je tricote ça en groupe avec sur Instagram, j'ai créé un groupe de discussion et puis voilà, on discute entre tricopines et ma foi, c'est bien agréable. Alors, toujours en groupe, j'avais lancé aussi un cal pour les Lily Sock. Alors, je tricote les Lily Sock. Je vous montre. Je fais ça avec de la laine Regia. Et voyez ce que ça donne. Enfin, si je vous le mets dans le sens... voilà. Alors, il y a un petit peu de bleu, un petit peu de mauve, un peu de beige par petites touches. C'est donc agréable à tricoter. Et c'est le patron Lily Sock que je connais par cœur, puisque c'est mon patron avec lequel j'ai débuté les chaussettes. Je le tricote sur des Chiagou des mini Chiagou, et là je suis en 68 mailles parce que c'est pour le petit neveu, voilà, et donc 68 mailles pour lui, voilà. Alors je vais mettre un contrastant, j'ai de la Epifit anthracite de chez Hobby. Qui ne se fait plus la Epifit, mais bon, ils ont une haute laine à chaussettes, donc ça ira très bien, puisqu'il y a des rayures à peu près, voilà. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un projet facile pour le soir. Et puis, je vous avais dit que je voulais tricoter le Saiga. Parce que le Saiga, c'était Sébastien qui m'avait offert le patron, et donc en septembre l'année dernière, et j'avais dit bon bah je vais tricoter ça pour le printemps avec les laines de Célène, et ma foi, je m'étais lancée l'année dernière déjà, j'avais eu un souci au niveau des manches, au niveau des raglans, je ne comprends pas ce raglan, j'ai un souci avec les diagrammes, c'est pas clair. J'ai repris donc cette fois-ci en me disant bon bah j'ai peut-être l'esprit mieux adapté pour faire ce patron. J'ai le même problème, je ne parviens pas à comprendre la disposition. Pour le moment, c'est pas la peine, ça ne marche pas. Donc j'ai laissé tomber le Saiga. Et j'ai remplacé ça par le Cloud Slay. Je vous mettrai une photo. Mais alors, j'ai fait un tout début. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Alors là, j'ai pas de soucis, ça va bien, mais vous voyez, j'en suis qu'au début parce que il m'a fallu un petit temps pour digérer le fait que je ne parvenais pas à faire quoi que ce soit avec le Saiga. Alors le Cloud Slay, c'est un patron, un t-shirt avec une bande de motifs. Dans le dos, ce petit motif-là qui est très facile à faire, très très agréable. Bon, puis le patron est bien expliqué. Si j'ai une photo, mais je ne pense pas, je n'imprime jamais. Ah ben, je dis je n'imprime jamais. Mais si,
j'ai imprimé la photo. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais je vais vous mettre une photo. Donc, c'est une petite encolure ronde avec un motif de point fantaisie, une bande de point fantaisie dans le dos et puis dans le bas du pull. Donc, rien de bien compliqué. Et ça va faire l'affaire. Et ce Cloud Slay, je l'avais inscrit dans mon loto tricot. Ah ben, No Frills et les Célans aussi, d'ailleurs. Donc, je valide deux cases de mon loto ce mois-ci. Et puis, donc, le Cloud Slay, c'était la case 1 de mon loto tricot. Donc, je pense le valider en mars. Je l'ai commencé, je le finirai en mars. Mais donc, j'avais fait mes essais sur le Saïga qui n'était pas probant, j'avais pas envie de reprendre la laine tout de suite pour ne pas être imprégnée de cette mauvaise impression de mon Saïga. Donc, j'ai dit, je vais faire un autre ouvrage avec une autre laine. Et je me suis lancée pour utiliser le reste de ma laine signature de West Yorkshire Spinner avec laquelle j'ai tricoté le cachou. Et je me suis lancée sur un modèle de Marie-Christine Lévesque qui est le Prosecco. Et le Prosecco, le patron m'avait été offert par Daniel Bouchard, qui a un podcast qui est canadienne. Et Daniel tricote, si vous suivez ses podcasts. Et donc, je fais ce Prosecco en lui ajoutant un mohair. Kit Silk Drops couleur sauge. Alors vous n'avez peut-être pas tout à fait c'est pas facile en intérieur, on n'a pas les mêmes couleurs. Donc voilà, et ça donne ça. Alors Marie-Christine Lévesque, pas de problème, sauf que c'est la première fois que je fais un pull en yoke. Je vous montre. Alors, pas de souci pour faire ce yoke, je n'ai qu'une appréhension, c'est qu'il soit trop grand également. Parce que elle nous demande de faire un échantillon en 4, mais elle nous fait faire toute cette partie-là en 4,5. Et moi, j'ai l'impression que ça va faire des... Vous voyez, comment on dit, des petites bosses là. Alors j'espère que ça va se lisser au porté et puis au blocage. Alors j'ai déjà fait une manche qui est là. Donc c'est une longue manche toute droite et on fait des diminutions drastiques au niveau du poignet et on fait 8 cm de côte torse. Et j'ai utilisé mon rabat dont je vous ai parlé la dernière fois, qui se fait à l'aiguille et qui est assez élastique et qui fait une très belle finition. J'espère que vous voyez, je suis en train de chercher la caméra. Voilà. Donc voilà le Prosecco de Marie-Christine Lévesque. Alors, ça va encore faire un gros pull doudou, ça. Voilà. Alors, c'est la première fois que je fais ce style de forme, là. Pas de raglan ni de maille montée. Donc, j'ai attaqué ma deuxième manche. Que je fais avec des mini circulaires de mon kit Chiagou bleu. Et je suis en train de perdre des mailles aussi. C'est terrible.
C'est la séance perte de maille. Dessus, je mets mes petits anneaux marqueurs que je me suis fait avec des petits brillants. Voilà. Et donc, ce Prosecco n'était pas dans mon loto tricot 2023, mais ce n'est pas grave. C'est un ouvrage qui me plaît beaucoup à tricoter. Donc, et puis, le fait d'avoir ajouté un mohair un peu plus foncé que la laine, ça fait un assez joli effet. Donc, je suis contente. Je suis contente de l'aspect que ça donne. Voilà. Alors donc, oui, vous avez, je ne sais pas si vous avez la bonne couleur exactement, mais voilà. Voilà le Prosecco. Donc, bien écoutez, on est arrivé au bout des encours. Oui, c'est tout. Ben, c'est déjà pas si mal. Et puis, sinon, je voulais vous parler d'un podcast que j'ai découvert dernièrement. C'est le podcast de Priam. Joyori, Joyori, sur Instagram et sur YouTube. Alors, bien écoutez, c'est vraiment sympa. Elle a fait deux épisodes et j'aime beaucoup. C'est une amie de Azamtou, de Hello Tricot. Qui revient également nous faire des podcasts si ce sont des jeunes femmes tout à fait sympathiques, agréables. Alors Azamtou, elle a un rendement tricot et puis elle a la particularité de faire ses propres modèles. Souvent, elle interprète, elle fait des choses. Elle s'était lancée dans le design, mais bon, elle a été un petit peu refroidie par le manque de délicatesse de certaines personnes qui l'ont un peu agressée sur son modèle de patron. Donc, elle est rentrée dans sa coquille, elle a arrêté de faire des designs à mettre... ah, ben voilà, on a de nouveau Gabi qui réclame, maintenant elle veut sortir. Voilà, j'ai fait sortir la demoiselle. Vous savez que les chats, c'est eux qui commandent, n'est-ce pas? Donc voilà, oui, alors je vous disais, Azamtou, qui est Hello Tricot, Hello, ça s'écrit H-E-2-L-O-W, et Tricot au bout. Je vous mettrai les indications en barre de description de toute façon. Et puis, Joyori, son prénom c'est Priam. Et pareil, alors elle a des jolis modèles, elle fait des jolis modèles, Priam. Vraiment, c'est très intéressant. Elle nous a montré tous ses tricots dans le dernier épisode. Vraiment, elle fait des jolies choses. Voilà, très inspirante cette petite dame. Et puis, comme beaucoup, j'ai découvert Karine, la Miss Knitter. Alors, Karine, c'est une professeure qui tricote. Et pareil, alors, Karine fait beaucoup de tests. Ça la motive de faire des tests pour terminer ses ouvrages. Donc effectivement, moi ça me stresse. Elle, visiblement, elle a besoin de cette petite pression. Donc ce que je peux comprendre, moi c'est pas mon cas, mais moi les tests, ça me met mal à l'aise.
voilà, donc je n'en fais plus, je ne pense pas en refaire, j'en ai fait quelques-uns, mais si j'en ai fait pour Audrey Borrego, et peut-être que j'en referai parce que sa façon de présenter les patrons convient beaucoup bien. Donc, je suis moins stressée sur les modèles d'Audrey Borrego. Voilà, ah bon, écoutez, chacune voit. Et donc, voilà, je regarde mes notes. Oui, c'est tout ce que j'avais à vous présenter cette fois-ci. Donc, je vais vous mettre une petite sélection de patrons juste après. Et puis, quelques images de la nature qui s'éveille. Et puis voilà, c'est un petit épisode cette fois-ci. Mais bon, c'est pas grave, je reviendrai vous voir avec mes prochains ouvrages. Et puis, dans quelques temps. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à mettre des petits pouces en l'air et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je suis ravie de vous lire. Et puis, voilà. À bientôt. Au revoir. Alors, on va regarder la sélection de patrons du jour. J'ai trouvé sur Instagram ce modèle qui m'a bien plu, donc je suis aussitôt allée voir dans Ravelry un magnifique pull avec un point. En fait, ça, c'est une alternance de points en droit et de points en vert qui forme un joli dessin. Alors, une encolure V, voilà, un magnifique pull à réaliser en fil dentelle, en mohair, et voilà. Je pense que c'est du mohair tenu en double. Alors, à 7,44 € de Nadine Jorg Fauvel, le Winter Wave Sweater. Ensuite, ici il y a plusieurs modèles. Alors, les deux paires de chaussettes, le bonnet, le petit pull ici, qui sont de Émilie Vallée. Émilie Vallée, elle tient un podcast, Les Dompteuses de fil, avec une autre jeune femme. Et donc, je suis allée voir un peu les modèles qu'elle fait. Elle n'en parle pas dans ses podcasts-là, mais je savais qu'elle faisait des modèles. Et donc, ici, il y a des chaussettes à 3,55 € en français, puisque c'est une Canadienne qui parle français. Et donc, voilà un joli petit modèle de chaussettes en dentelle. Voilà. Donc, voilà. On va les voir sous toutes les coutures, avec un talon renforcé. Les bas bourgeons. Voilà. Alors, en fingering, bien sûr, 3,55 €. Un autre modèle qu'elle a fait, le modèle roseau. Alors, à 3,92 €, ici il y a des petites mailles étirées. Enfin, c'est très joli. C'est des chaussettes en texture. Alors, avec pareil, un talon à gousset. Voilà, ici on voit pas trop bien. Est-ce qu'on voit mieux ici? Voilà. Un très joli modèle. Avec des côtes de 2. Voilà, 3,92 €. Ensuite, un bonnet et un col pour 4,36 €. Pareil, je trouve ça très joli. Alors, c'est pas un bonnet fait en grosse laine, mais néanmoins, je trouve ça très joli, ce jeu de motifs.
Alors, voilà, il est fait en fingering, effectivement. Voilà. Donc, pour 4,36 €. Un petit pull, le pull opale, enfin c'est un petit t-shirt, avec une dentelle sur le devant. Voilà. Alors, il a été fait avec des manches également. Je ne sais pas si c'est une interprétation du modèle ou si les manches sont dans le modèle, mais en tout cas, voilà, c'est un beau petit t-shirt, monsieur, apparemment. Voilà. Alors, donc, 7,41 € en français. Pareil, aiguille 3,75 €. Alors, groupe de fil fingering. 3,25 € et 3,75 €. Voilà, le modèle opale. Et donc, je suis allée voir ces modèles parce que dans son dernier podcast, elle parlait de cette veste qu'elle venait de terminer et qui rend bien mieux sur son modèle à elle que là présenté ici. Et ça, c'est pas elle qui l'a fait, c'est Osetta. C'est un patron, voilà. Et voilà les modèles des personnes qui l'ont. Je trouve que le modèle du patron ne rend pas hommage au gilet, alors que les projets sont beaucoup plus plaisants à voir. En tout cas, c'est un modèle en anglais et en allemand, en laine worsted, pour 7,71 €. Alors, on va le regarder. Voilà. C'est une veste en col V. Et la bande de boutonnage se fait en même temps, mais il faut prendre des aiguilles double pointe pour les bandes parce qu'elles sont en numéro d'aiguille inférieur au reste de l'ouvrage. Voilà. Donc voilà ce modèle. Ensuite, alors là, c'est des chaussettes que je trouve originales. Pour 4,15 € en anglais, elles sont toutes en côte, même au talon. Voilà, et ça, je trouve ça original comme forme. Donc, ces chaussettes Simply Ribbed Socks en fingering en 2,25 € et avec le talon intégré, si on peut dire, dans le modèle. Ensuite, un gros pull en jacquard en déca pour 4,74 € de Anne Beyansen. Alors là, il se fait en 3,5, oui, en déca et en jacquard. Et j'ai trouvé que le modèle était inspirant. Voilà. Avec un col en rond. Ensuite. Alors, pareil, là ce sont des sockets, mais ce qui est intéressant, c'est le talon. Vous voyez ici un dessin sur l'image, parce qu'en fait, ce sont des talons, un talon à rang raccourci, mais le rang raccourci s'arrête ici, et ensuite, ici,
on fait des rangs raccourcis au milieu, là, plus qu'au départ. Enfin, ça fait une espèce d'augmentation dans les rangs raccourcis. C'est spécial. Voilà, c'est une forme spéciale. Donc, à tester pour 4,90 €. Patron en français de Monel Sourdeau. Ici, c'est une petite veste patron gratuit en anglais et en allemand. Ambling Alp de Emama Wolf. Alors, un pull en laine sport, enfin une veste en laine sport, tout en point mousse. Assez original. Voilà. Avec une démarcation dans le dos. Je trouve ça assez mignon comme petite veste. Patron gratuit de Hey Mama Wolf en anglais et en allemand. Ensuite, alors là, c'est un châle que je trouve superbe avec des nervures dans les motifs, enfin dans le patron. Voilà. Très très original. Alors, je ne sais pas comment est faite la bordure, mais en tout cas, on va regarder de plus près. Ah ben, ça ne veut pas grossir l'image. Oui, ben c'est. Je pense que c'est parce qu'il y a une. On passe un fil par-dessus à un moment donné. On fait une bande de mousse et puis à la dernière maille, on doit faire un. On doit reprendre à la maille du bas. En tout cas, je trouve ça très joli. Ce châle 6 €, un modèle de Christine Rouvillier en français. Ensuite, des chaussettes avec une petite bordure jacquard. Pareil, c'est un joli modèle avec ici un talon à gousset. Mais pas que, parce que, oh peut-être si là aussi. Enfin, je trouve le jacquard bien, bien sympathique quand on ne veut pas en avoir de trop. Je trouve que le modèle est assez joli. 3,90 €, un modèle de Elena Joronen Koura. Ici, une petite veste encore. Et je la trouve très jolie, de Moriarty Cardigan de Trust the Mojo, en français, pour 7 €. Et franchement, c'est en grosse laine, ça doit aller très vite, avec des bords de manches, avec des petites torsades. Alors là, c'est de la très grosse laine. C'est fait en super bulky. Alors, je pense qu'elle a pris de la Wear Knitter plus de la Kit Silk pour avoir cette épaisseur-là, mais franchement, c'est très joli. Alors, on voit plusieurs modèles. Je pense qu'il faut faire assez attention à son échantillon, mais voilà. Et si on regarde les idées de fil. Vous voyez, ce sont des grosses laines. Voilà, la petite houle de Wear Knitter, de la Wish de Drops. Et puis, voilà. Un joli petit modèle. De la layette. Alors, ici, 5,60 € pour une petite grenouillère. On appelle ça comme ça. Pour les mamies qui tricotent, pour les petits enfants avec un pompon sur la capuche,
un i-cord pour fermer, un body, voilà, c'est un body. Shell de Lon Kjetson en light figuring et en biobalance. Alors la biobalance, il y a du coton et du mérino dedans. Et puis voilà, donc alors en anglais, hein, pour 5,60 €. Ici, c'est un petit cardigan gratuit de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL. Un petit modèle gratuit, tout simple. Voilà, avec une bordure point mousse. Et qui se tricote en harang. Donc une grosse laine aussi, en 4,5 et 5. Pour les tailles 0 à 3 mois. Et ici, de l'originalité, une paire de chaussettes à 1 $, non, à 1 livre, donc ça doit faire 1 € et quelques. Cheap Socks de Yola Frankowska. Alors c'est très original, n'est-ce pas? Des petits moutons. Sous le talon, sous la plante du pied, il y a un gros mouton et des petits moutons sur les... Voilà. Bon, c'est très original, mais ça, pour le prix, ça vaut le coup d'avoir la... Parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre tout le long de sur toute la chaussette, mais on peut très bien imaginer une petite bordure comme ça, de ranger une mouton, c'est pas mal. Voilà les Cheap Socks. Et donc voilà la sélection du jour terminée.